Recevoir tout à l'heure Roland Jacquard, qui est un grand nihiliste. Oui, un grand nihiliste. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nihiliste dans l'humour viennois, au sens où c'est une manière de voir le monde comme quelque chose, une comédie vaine? Ben c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que c'est une question traditionnelle que nous posons lors de pour notre série cinéphile, c'est comment le jeune Roland Jacquard, né en 1941, donc c'est une période, c'est loin, mais pas si loin que ça, comment découvre-t-il le cinéma? Est-ce que c'est une découverte tardive, ou est-ce qu'il est emmené par ses parents ou un oncle, puisque, par exemple, pour notre ami Michel Marmin, c'est un oncle qui lui a fait découvrir le cinéma. Comment il découvre le cinéma, Roland Jacquard, le jeune Roland Jacquard? Nous essayons de faire une série sur la cinéphilie. La cinéphilie a parfois des définitions très sérieuses, un peu lourdes d'ailleurs. Pour certains, c'est presque une science désormais, alors qu'à mon avis, ça doit être un plaisir. Et donc la première question, elle est simple. La passion du cinéma chez Roland Jacquard, comment naît-elle? Quel est le premier film qu'il voit? Quelle est la première image, quand on lui parle de cinéma, qui apparaît? Mes parents allaient au cinéma, ils m'emmenaient avec eux. J'ai vu Michel Strogoff, je ne sais plus dans quelle version, mais il y a un moment où on brûle les yeux de Michel Strogoff. Ça m'avait beaucoup impressionné. Oui. Et j'avais vu Les Trois Lanciers du Bengale, je ne sais plus non plus quel est le nom du metteur en scène, mais on torturait en Inde en arrachant les ongles. Donc toutes ces scènes un peu sadiques m'ont effrayé, mais en même temps attiré. Voilà. Donc, et puis ensuite, mes parents... C'était une époque, il y avait beaucoup de cinéma à Lausanne, et on allait voir parfois avec mes parents, j'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans, des films, ce qu'on appelait des films de famille. Et notamment les films Papa, Maman, la Bonne et moi, avec Robert Lamoureux, des films de Jean Boyer, Nous irons à Paris, qui avait un succès extraordinaire, ou alors J'avais cette fille, avec Maurice Chevalier, qui était plus pervers qu'il n'y paraissait. Donc j'ai et puis Sept ans de réflexion, évidemment, de Billy Wilder avec Marilyn Monroe. Ce sont des films que j'ai vus avec mes parents quand j'étais jeune. Et puis alors il y avait des films que j'allais voir avec des bandes de copains dans des cinémas de quartier. Et là, c'était des séries B, des westerns, des films qui duraient en général une heure et qui étaient assez violents et très... je sais pas, qui étaient fascinants, hein, qui étaient... Donc, je dirais que jusque... Le dernier film que j'ai vu avec mes parents, avec ma mère, puisque j'avais 15 ans, et j'ai été voir La Tunique... d'Henri Koster, qui était le premier film en cinémascope, et j'ai beaucoup pleuré avec... C'est un beau film d'Henri Koster. Et donc voilà, puis à partir de là, il faut dire qu'à Lausanne, nous étions gâtés, car nous avions Freddy Buache, qui... Vous avez un peu connu d'ailleurs. Que j'ai bien connu, oui, qui tenait une rubrique dans un journal... Il était jeune, hein, enfin, un peu plus âgé que moi, une dizaine d'années, mais il écrivait pour la Nouvelle Revue de Lausanne, où il y avait également Philippe Jacotet, Crisinel et beaucoup d'autres, Samuel Chevalier, le Cardan Vaudois. Et en fait, il était très bon, Buache, très très bon, et je me précipitais sur ses chroniques, et j'avais envie de faire comme lui. Et en outre, comme mon père était prof, il achetait beaucoup de journaux. Il y avait Combat, et dans Combat, il y avait les chroniques d'Henri Chapier. Et ensuite, je me retrouve à Saint-Maurice, et là, j'ai eu la chance d'avoir
deux professeurs qui étaient, plusieurs, mais je vais citer les plus connus, qui étaient absolument remarquables. Le premier, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais je veux lui rendre hommage, c'est Henri Guillemin. Et le deuxième, qui était directement lié au cinéma, c'était Henri Hagel. Et Henri Hagel, dans le fond, il y avait, je dirais, des partages à la fois politiques, esthétiques. Et Henri Hagel, c'était l'école Bazin, mais un peu catho. Oui, c'est ça, très catho. Voilà. Très catho, mais quand même avec un sens. Alors, il était très bon parce que, en fait, il nous parlait, il faisait constamment des comparaisons avec la littérature, avec la grande littérature, notamment avec, comparer John Ford avec Corneille, Howard Hawks avec Racine. Et donc, chaque fois que j'avais des dissertations à faire, au lieu de prendre, j'écrivais ce que j'aurais dit sur John Ford à propos de Corneille. Ça me simplifiait beaucoup la vie. Là, 18 ans, on décide avec quelques copains de la piscine qu'on choisit, parce que le cinéma était fascinant, on décide de faire des critiques de cinéma. Déjà pour aller au cinéma gratuitement, draguer des filles, et puis parce que ça nous plaisait et que ça nous semblait beaucoup moins guindé que la littérature. Donc, moi, j'ai été voir plusieurs rédactions. Il y avait 6 quotidiens à Lausanne. Et dans un quotidien, le quotidien socialiste, Le Peuple, le rédacteur en chef, qui avait fait la guerre d'Espagne, qui était un peu vieux, qui était, m'a dit, ouais, pourquoi pas, on va vous essayer. Et il m'a envoyé voir des films un peu porno, comme ça, des films... un peu légers ou porno? Pardon, limite, qui était pas mal d'ailleurs. Et comme je faisais bien le boulot, au bout de 2 mois, il m'a dit, moi ça m'ennuie d'aller au cinéma maintenant, tu reprends la chronique de cinéma, c'est-à-dire une page tous les samedis, avec tous les films. Vous allez beaucoup au cinéma, en tant que critique cinéma, c'est la moindre des choses. Oui. Mais elle semble nourrie aussi par un regard très littéraire. Moi, c'est ce qui me marque dans les différents entretiens qu'on a fait. C'est toujours le rapport que font les gens qui ont connu cet ancien régime de la cinéphilie, pour parler comme notre ami Alfred. C'est le rapport entre votre cinéphilie et votre amour de la littérature aussi. Oui, alors, ça va même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que il y a un rapport non seulement avec la littérature, mais avec la psychanalyse. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a frappé, j'étais passionné par la psychanalyse, c'est mon côté viennois, et ce qui m'a frappé, c'est qu'on est, en 1895 exactement, on assiste à la naissance de trois révolutions. La première, c'est le cinéma, qui va complètement changer les mentalités. La deuxième, c'est la psychanalyse. Et la troisième, c'est la découverte par Wilhelm Röhinger des rayons X. Donc, avec le cinéma, les gros plans, on entre à l'intérieur de l'âme de la personne, avec les rayons X du corps, et avec la psychanalyse, on est en train, d'avoir une nouvelle vision de ce que sont les affects, les émotions, etc. Et c'est intéressant de voir que tout de suite, des metteurs en scène se sont intéressés à la psychanalyse, et notamment Pabst, on reviendra sur Pabst, qui décide de mettre en scène, de manière presque pédagogique, les concepts fondamentaux de la psychanalyse dans un film remarquable qui s'intitule « Les mystères d'une âme ». Qu'il a fait avec un psychanalyste berlinois qui est mort jeune, qui s'appelle Karl Abraham,
Freud était moins... Bon, c'est une autre génération, Freud ne connaissait pas le cinéma. Freud était sceptique, mais le film est bien. Et Pabst s'est passionné pour la psychanalyse, comme d'autres le feront par la suite. Hein. Mais, même Fritz Lang, d'ailleurs. Pardon ? Même Fritz Lang. Et Fritz Lang. Alors oui, en outre, avec le cinéma, ce qui se passe, c'est que on va se rendre compte que l'image, c'est de l'or. On a eu, dans un premier temps, les chercheurs d'or en Californie, on a eu le pétrole, et puis, ensuite, les images. Et celui qui a le pouvoir sur les images, il a le pouvoir sur le monde entier. Et donc ça, c'est très très intéressant, parce qu'immédiatement, on va faire des films aussi, qui sont des films, enfin des grands films, qui vont en reprendre l'histoire, la légende d'une nation. Par exemple, Griffith, c'est Naissance d'une nation. Mais il n'est pas le seul. Évidemment, chaque pays veut, sans que ce soit nécessairement de la propagande, mais raconter son histoire. Et avec Abel Gance, on aura Napoléon. Avec Staline, Ivan le Terrible. On aura Ivan le Terrible, bien sûr. Et puis, les Allemands ne veulent pas, évidemment pas être en reste. Et Goebbels, qui est loin d'être un crétin, va demander à Fritz Lang de reprendre tout le cinéma allemand. Déjà, dans Métropolis, il y a quelque chose qui peut s'accorder avec le nazisme, une sorte de symbiose entre le capital et le travail, qui est une des grandes idées de Hitler. Et il va tourner un film à grand spectacle sur les défaites napoléoniennes en Allemagne, film qui est pas mal d'ailleurs, et pour ce film, il a besoin de beaucoup de figurants. Donc il va demander aux généraux de la Wehrmacht de faire venir 20 000, 30 000 soldats, voire 50 000, et les généraux, ils dégarnissent le front russe, hein, c'est terrifiant pour eux que pour le plaisir d'un artiste qui passe pour être un idéologue, ils vont encore subir des pertes beaucoup plus lourdes. Mais le film est intéressant, il est passé sur Arte récemment. Le film de Goebbels. Et vous parlez du cinéma comme une sorte d'art de la mobilisation totale, en fait. Un art totalitaire, en soi. C'est ce que disait Günther Anders, d'ailleurs. On peut le voir ainsi, on peut le voir sous tous les angles, mais aussi de manière intimiste. J'entends, mais l'affaire débute, je dis, en 1895, et puis elle s'épuise quand même dans les années 60-70. Et on entre ensuite dans quelque chose qui est très différent, qui va être, et qui est aujourd'hui ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le numérique et les biotechnologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à une vision de, il y a une nouvelle révolution qui s'est produite avec l'informatique et avec les biotechnologies. Les deux mêlés font qu'on arrive à des algorithmes qui font que vous, Alfred Heibel par exemple, va moins bien se connaître que les algorithmes ne le connaissent. Donc on est dans une révolution totale, qui est aussi totalitaire d'une certaine manière, mais c'est un autre monde, et ça a des répercussions aussi, évidemment, en psychanalyse, et dans tous les domaines d'ailleurs, politique également. On peut dire qu'on est entré dans une ère totalement différente, et que la psychanalyse telle que Freud la concevait, c'est quelque chose, c'est un astre mort. La culture viennoise que nous avons aimée, c'est également quelque chose, c'est un continent englouti. Alors juste pour terminer sur le côté psychanalyse et cinéma, je dirais que ma formation intellectuelle
morale, existentielle, hein. Dans le fond, c'est le film noir américain et c'est la psychanalyse viennoise. Pas du look, pas du tout Lacan, je précise. Hein. Vraiment la psychanalyse viennoise et le film noir américain. Et évidemment, tous les metteurs en scène viennois, qu'Alfred connaît bien, qui ont quitté l'Autriche quand il le fallait et qui se sont retrouvés à Hollywood et qui ont donné un élan qui ont fait, même, un feu sacré, partie, pardon, qui ont quasiment fait une partie du cinéma américain d'ailleurs. Il existait déjà avant, mais qui lui ont donné, une singularité. Une singularité de Michael Curtis à Preminger, à Billy Wilder, Eric von Stroheim qui était arrivé bien plus tôt, bien sûr, et puis Fritz Lang. Stroheim d'ailleurs dont vous parlez, puisque j'ai lu un de vos articles sur Stroheim. Oui. Vous m'apprenez qu'il était, et on rejoint un tout petit peu la psychanalyse, qu'il était un lecteur de Max Nordau, dont l'obsession était quand même la dégénérescence, la fin d'un monde. Oui. Et alors c'est intéressant ça. Je veux pas faire d'une conversation à bâton rompu, mais il faut le faire un peu, puisqu'on est très libre pour notre série cinéphile. Alors ça m'a tout à fait étonné. Je ne savais pas que Stroheim était un lecteur de Nordau. Il était un lecteur de Nordau, il était un lecteur de Weininger, il était, en fait, c'était un juif viennois. Malgré ses allures prussiennes. Pardon? Malgré son allure prussienne. Malgré, en dépit de son monocle, de son allure prussienne, et en fait, il est arrivé à tromper son monde à Hollywood. Il est arrivé, bon. C'est un génie absolu aussi, hein. Mais il a les rapaces, bien sûr, hein, folie de femme, etc. Mais il est arrivé, c'était le premier, et en fait, il a fallu qu'une deuxième génération de Viennois arrive à Hollywood pour que ils voient, ils comprennent l'imposture d'Eric von Stroheim, notamment Billy Wilder, qui n'avait pas sa langue dans la poche, qui dit à Stroheim, enfin, ton accent, tout, je vois bien d'où tu viens, etc. Bon. Donc, mais Stroheim était, oui, Stroheim était non seulement un génie, mais il avait un art de la manipulation, de la simulation, quand il retourne à Vienne, il se déguise. Non, mais c'est extraordinaire. L'histoire de Stroheim, c'est... Manipulation, simulation, de toute façon, ce sont des instruments du cinéma aussi, hein. Donc... Oui, mais qu'on peut utiliser avec plus ou moins de brio. J'aime bien, il y a un critique que j'aime beaucoup et que j'ai publié d'ailleurs aux presses universitaires de France, c'est Louis Skorecki. Et Skorecki dit, ben, la fin du cinéma, c'est Rio Bravo. Dans le fond, dans les années 50, 60, c'est encore l'apothéose, et puis l'apothéose, elle précède le déclin. Et il y a un film que j'aime beaucoup, parce que c'est un de mes films préférés, qui est pas très connu, qui sort en 68 aux États-Unis, qui n'a aucun succès, qui est un pur chef-d'œuvre, c'est The Swimmer. Ah. Et The Swimmer, avec Burt Lancaster, le swimmer de Frank Perry. En fait, 68, c'est la libération, c'est, on fait l'amour, on fait pas la guerre, on n'est pas dans le pessimisme. Donc le film, il ne va pas tenir plus de 2 semaines, je sais même pas s'il va être diffusé en France, peut-être pas, en tout cas en Suisse, non, et le film va être totalement oublié. Et en fait, on le redécouvre maintenant, et c'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Et un des films les plus violents, d'ailleurs, sur l'évolution de la société. Parce que c'est une critique au lance-flamme de la société américaine Complètement. Alors, avec un autre film que j'ai revu, non pas pour l'émission, mais parce que on m'a offert Matulu, et dans Matulu, j'ai lu un article de Michel Marmin sur un film dont je me souvenais,
bien, mais que j'avais envie de revoir, c'est Les Tueurs de la Lune de Miel, là, de Leonard Castel. C'est le seul film qu'il ait tourné. Alors, c'est un film glauque, d'une misogynie sans pareil, mais alors, il y a de temps en temps, c'est vrai, dans toute l'histoire du cinéma, des trucs qui sont, qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. On est, quand on a vu ça, on a l'impression que on a tout compris. Billy Wilder, qui était quand même très drôle, oui. Quand Preminger est arrivé à Hollywood, Preminger n'était pas connu. Il était connu comme metteur en scène de théâtre à Vienne, mais il n'était pas connu comme metteur en scène. Et donc, il a demandé à Billy Wilder, qui lui était déjà célèbre, d'organiser une grande soirée avec tous les producteurs hollywoodiens. Il a dit, tu peux bien faire ça pour moi. Et Billy Wilder lui a dit, mais oui, aucun problème, la soirée a lieu. Et là, Billy Wilder fait semblant de ne pas connaître Preminger. Et les gens lui demandent, mais qui est cet homme-là? Il dit, non, je vois pas. Preminger lui tire par le veston. Lui dit, enfin, très bon, tu m'as dit que tu connaissais tous les producteurs hollywoodiens. Et puis, à ce moment-là, Billy Wilder dit « Ah oui, il me semble reconnaître cet homme. Je crois que c'est un nazi, c'est peut-être le docteur Mengele. Regardez, il en a le physique. » Donc, et Billy Wilder qui disait aussi cette phrase un peu... il était très spirituel. Il disait « Dans le fond, le XXe siècle... » aurait été très ennuyeux s'il n'y avait pas eu Marilyn Monroe et Adolf Hitler. Et il a fait ce film extraordinaire, que vous avez tous vu, qui est La Scandaleuse de Berlin avec Marlène Dietrich. C'est intéressant de voir aussi, alors, parce que, en fait, tout ce qui va se passer, me semble-t-il, hein, du point de vue dans l'histoire du XXe siècle, est un peu construit pour le cinéma. Donc c'est comme un scénario. On peut dire que c'est la thèse qui a été développée dans un film qui s'appelle Max, qui a été fait par la communauté juive de New York sur Hitler, montrant que dans le fond Hitler a été plus loin que les dadaïstes. Et que, s'il était resté dans ses destins sur une esthétique classique, en revanche, dans sa vie, jusqu'à son suicide final, il l'a organisé comme une forme de dadaïsme et quelque chose qui est fait pour le cinéma. Donc, on peut se poser la question dans quelle mesure est-ce que les événements qui se sont produits, on sait la passion de Mussolini, de son gendre pour le cinéma, on sait tout ce qui s'est joué en France à la Continentale, etc. Donc, le cinéma a envahi les esprits et a fait que des gens qui étaient dans la politique ou dans un esprit guerrier et conquérant, mettait en scène, peut-être que sans le cinéma, on n'aurait pas envahi, enfin je parle des Américains, en l'occurrence l'Irak. C'est un très bon sujet de film. Entre bons amis, j'aimerais poser la question. Alors, posez la question. À Alfred. Ouais. Si tu devais, mon cher Alfred Heibel, ouais. Puisque nous sommes viennois quand ouais. même, moi par ma mère, et toi... Par ma mère aussi. Par ta mère aussi, donc ouais. Nous avons quelque chose de commun. Si tu avais 3 films à garder, ce seraient lesquels? Alors, comme j'ai une mémoire malheureusement défaillante, je peux que citer, disons, des metteurs en scène, notamment comme John Ford. Oui. Dont je trouve qu'il y a un film où les gens sont obligés de quitter un territoire pour l'autre, qu'il n'y a pas véritablement ni intrigue ni histoire, mais la façon dont ce film se déroule, la façon dont il est filmé, je trouve que c'est un film formidable
que je pourrais citer comme un exemple. Voilà. Il y a des films d'Hitchcock. Alors, il y en a un que je trouve vraiment formidable, qui date de la période anglaise. Ah oui. Le 39 marches. Non, non. C'est Une femme disparaît. Ah oui. Oui. Parce que la façon dont ce sac de thé est amené sur la vitrine, c'est absolument génial. Il y a pas jeune et jolie, mais il y a avec un jeune couple. Ouais. Ah, c'est le jeune couple qui part en voyage. Ah, c'est superbe. C'est extraordinaire. Oui. Alors, dernier film que j'ai revu récemment, j'ai dû le revoir plusieurs fois, qui a beaucoup de défauts. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des films qui passent malgré les défauts. Parce qu'il y a quelque chose de puissant derrière. C'est La nuit du chasseur. Ah, ouais. Mais je voulais le citer. Oui, La nuit du chasseur. Oui, oui. Je l'ai revu. Je ne sais pas combien de temps. Charles Lonton, je pense que c'était un homme habité. Oui. Voilà, habité par cette histoire. J'ai aimé Présence du cinéma, les metteurs en scène, et j'ai adoré un genre qui a disparu, pratiquement, qui est le western. Et je pense que Anthony Mann, Walsh, Ford, Oxford, etc. Il y a Delmer Davis, etc. Il me semble que dans le western, il y a vraiment deux types, de cinéastes. Le western, c'est à la fois le cinéma de la communauté, l'éloge d'une communauté soudée, de la fraternité, etc. Ou l'éloge d'une sorte de liberté violente, presque nietzschéenne au sens banal du terme. Oui. Voilà. Quand on voit par exemple Walsh, et du côté de la liberté sauvage de l'individu face à la masse, Ford et le cinéma de la communauté, oui, la fraternité. C'est très bien dit. Oui, moi je suis du côté de Walsh, du côté, enfin pour prendre un film qui résume tout, c'est Seuls sont les Indomptés de David Miller avec Kirk Douglas. Voilà, je suis dans cette ligne. Mais Anthony Mann, il y avait une forme de lyrisme, de poésie qui m'allait droit au cœur. D'autant que le western peut être aussi un western très contemplatif, entre deux. Très contemplatif, oui. Quand on regarde La prisonnière du désert, il y a quand même une heure du film où ce sont des gens qui se baladent dans le désert, qui regardent les pierres, le sable, le ciel. Oui, et même un metteur en scène que j'aime beaucoup, mais son tout premier film, ou le deuxième, je crois, un metteur en scène, c'est Sam Peckinpah. Le premier film, c'est deux vieux cow-boys avec leurs sous-pantalons longs qui, en fait, il ne se passe pratiquement rien. Le deuxième film de Peckinpah, oui, avec Joel McGrea, je crois. C'est ça, voilà. Exactement. Oui, le film est, et d'ailleurs, Peckinpah est formidable. Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. D'Alfredo Garcia, c'est un des. Il y en a que j'aime bien, qui est un peu, c'est Paul Schrader, hardcore, il y a des, avec une sorte de protestantisme un peu vicelard. Protestantisme vicelard, je vais m'arrêter quand même à cette phrase un peu provocatrice, nous fêtons le 500e anniversaire de la réforme. Oui. Et donc il faut parler de ce protestantisme vicelard. Pourquoi protestantisme vicelard? Parce que mettons que le protestantisme. Parce que c'est lié au cinéma. Il y a une le protestant, le cinéma, une des mecs du cinéma, c'est quand même les États-Unis, qui n'est pas un pays d'un catholicisme latin très fort, même s'il y a de grands cinéastes catholiques. Et, mais on y reviendra, puisque de toute façon, on parlera d'érotisme et cinéma. Mais le cinéma a tout de suite ses interdits, notamment dans la représentation du corps de la femme, du sexe, etc. Et ça va développer l'imagination aussi pour détourner. C'est pour ça que je dis que c'est vicelard. Oui. Oui, c'est-à-dire que effectivement, plus il y a tabou, plus il y a d'interdits, plus il va falloir les contourner, et plus, en même temps, je dirais que dans le fond, le protestantisme, c'est une forme de judaïsme évolué, et donc. Qui fait l'ange et la bête. Oui. Et puis on peut faire beaucoup de choses avec le protestantisme, puisque c'est un rapport direct, individuel, avec un Dieu qui n'existe pas, parce que en tant que protestant, si vous croyez en Dieu, vous êtes un idolâtre, et si vous n'y croyez pas, vous êtes également un idolâtre. Oui. Donc ce qui est important, c'est le passage de l'un
à l'autre, le chemin qui mène à la croyance et le chemin qui mène ensuite à la perte de la foi. Enfin, tout ça est très bien dit dans les films de Dreyer. Est-ce que vous vous reconnaissiez dans le macmahonisme? Quel cinéphile étiez-vous? Est-ce que, au fond, ces querelles d'école vous passaient au-dessus de la tête? Ou est-ce que vous vous disiez, non, je suis macmahonien, je m'inspire d'une école en particulier? Ou vous étiez un esprit fureteur qui passait des cahiers à la présence du cinéma, avec plusieurs influences qui pouvaient vous... Alors, je dirais que fondamentalement, j'étais macmahonien. Fondamentalement, mais d'un autre côté, pour moi, l'écran de cinéma, la salle de cinéma, l'écran de cinéma, c'était comme le sein maternel pour l'enfant. C'est-à-dire que j'étais prêt à biberonner à n'importe quel film. Mais je n'étais pas... Alors évidemment, le Caridas des macmahoniens, c'était ce que j'aimais, mais je n'aimais pas le cinéma. Enfin, si, je l'aimais, mais beaucoup moins, mais, moi, j'étais assez en faveur, j'étais en faveur d'un cinéma populaire. Et je n'aimais pas tellement le cinéma guindé. Le cinéma guindé, je dirais, il y avait un metteur en scène qui m'horripilait, par exemple, et parce que c'était Antonioni. Oui. Alors, oui. Les débats sur l'incommunicabilité chez Antonioni, etc., tout ça, c'est plus du tout le cas, ça n'a plus de sens maintenant, mais, il y avait une sorte, chez les cinéphiles, comme chez les amateurs de musique ou de littérature, il y avait une forme de snobisme. Et dans le fond, si on disait qu'on aimait Johnny Hallyday, Dimmy Chen, etc., on passait pour un bas de gamme, une sorte de... Et alors, si on disait qu'on aimait Bergman, Antonioni, là, on était un type bien, quoi, voilà. Donc, moi, j'ai jamais voulu être un type bien. Je me souviens d'un film de Richard Quine qu'un critique des Cahiers du cinéma avait fait l'éloge, mais en se référant à Francis Ponge et à Heidegger, je ne sais pas s'ils ont vraiment lu Heidegger, et une fois j'ai demandé à Don Marquis, qui était un personnage truculent et un fou de cinéma, j'ai dit, mais Jean, je comprends pas très bien pourquoi vous avez besoin de Francis Ponge et de je ne sais qui encore. Ah, mais il m'a dit, je sais bien que ça peut paraître bizarre, mais c'est pour montrer aux gens que le cinéma est un art aussi. Alors qu'il y a des gens qui ont doute, qui disent oui, le cinéma, d'accord, mais enfin, ça vaut pas les frères Karamazov. Donc, lui disait, en donnant de telles références, eh bien, les gens vont peu à peu, ceux qui ne le sont pas, vont peu à peu être convaincus que le cinéma est réellement un art. Voilà. C'était un peu cette tendance-là qu'il y avait au Cahier du cinéma. La présence du cinéma, c'était autre chose. Le macmahonisme, c'était très bien à la racine de cette idée, puisqu'il y avait ces fameux quatre metteurs en scène, etc., qui étaient, je dirais, adulés, hein, quand même, il faut le dire, défendus bec et ongle par Pierre Hessian. Quatre grands. On disait, oui, mais Joseph von Ferdert ne pourrait pas figurer parmi les quatre as. Alors que beaucoup plus tard, que ce soit Tavernier ou d'autres, ceux qui sont occupés, je crois, de faire l'attaché de presse pour l'impératrice rouge, ils ont bien été obligés de reconnaître que, on s'est trompé. Et puis aussi, on s'est trompé sur, on a porté au nu des films qui, ayant revus beaucoup plus tard, comme Eva de Joseph Losey. Et puis, on m'avait dit, est-ce que vous pourriez pas montrer Venise? Alors, j'ai dit, oui, je pourrais vous montrer, par exemple, La jeunesse de Casanova. Je pourrais vous montrer aussi Mort à Venise. Mmh. Et je pourrais vous montrer, puisque c'est Venise en hiver,
Le film de Joseph Losey. Oui, le film de David Lean aussi. Oui, aussi. Et ceux que j'avais présentés à la Canal, à l'époque, ont été ravis parce que je leur avais montré. Et puis, ils m'ont dit, ah non, écoutez, monsieur Lafouette, avec Eva, non. Ah bon? Oui, c'est un film prétentieux, c'est un film littéraire, c'est un film tiré, etc. Voilà. Pour eux, c'était ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire faire un film artistique. Dès l'instant où tu t'installes dans cette idée que tu vas faire un truc artistique, eh ben, y a un problème. Hein, voilà. Mmh. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais à l'époque, je me souviens très bien, c'était au Publicis. Il y avait Losey qui était là. Il y avait, je crois, Jeanne Moreau qui était là. Il y avait évidemment Rissian. Et puis il y en avait plein d'autres. Et on a projeté Eva, donc ce qu'on appelle une projection privée. Mmh. Et à la fin de la projection, glaciale. Aucune réaction. Ah, rien. Je sais pas comment, bon, Losey, probablement, ça a dû quand même le secouer parce que il y avait pas assez cris, oh, génial, formidable, etc., wonderful et tout. Bon. On sort, il y avait Marc Bernard, on sort, parce que je crois que la vraie cinéphilie ne se fait pas à la fin d'une projection, il se fait dans la rue quand on se retrouve. Oui. C'est là qu'on dit les choses essentielles, curieusement. Donc on s'est beaucoup laissé impressionner par ça, et alors des discussions n'ont plus finir sur le trottoir, qui était d'ailleurs, moi je trouve, assez formidable, parce que il y avait une passion. Ça c'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui, les gens sont plus passionnés. À l'époque, il y avait une passion. Voilà, j'arrête. Alfred, il faut arrêter car tu as déjà fait ton cinéphile. Non, mais c'est le cinéphile de Roland Jacquin, mais parce que tout ce que tu dis est passionnant, tu sais que nous sommes parmi tes adorateurs. Oui, je sais. Oui, mais il faut laisser la parole. Ah ben, c'est évident. Qui a connu Fritz Lang. Ne peut être que. Ne peut être que demi-dieu. Mais oui, et d'ailleurs, quand il imite Fritz Lang. Oui. Alors là, ce sont des très très grands moments. On est heureux de les avoir vécus. Ce qui sera quand même peut-être intéressant, c'est de voir quand même le rôle qu'a joué qu'ont joué les Français, enfin les cinéphiles français et les critiques pour les cinémas d'auteur et pour le cinéma entre autres américain, mais pas uniquement. C'est colossal. Moi, j'aimerais poser une question à Jacquin sur justement, puisqu'on parle beaucoup de cinéma américain, mais est-ce que quand vous faites vos premiers pas dans la cinéphilie, vous voyez aussi du cinéma, alors vous en avez un peu évoqué, mais du cinéma italien, du cinéma japonais, du cinéma russe, du cinéma anglais, parce qu'il existe un cinéma anglais, oui, bien sûr, du cinéma français. Est-ce que votre culture cinéphilique est internationale, ou il y a quand même, bon, on peut pas échapper aux États-Unis évidemment, mais est quand même plus diverse que simplement les grands cinéastes américains? Mais c'est une ouverture au monde entier. Voilà. Bien sûr. Pour Ozawa, bien sûr, c'est un des plus grands. Je parle du vieux, pas du jeune. Oui. Mais pour Ozawa, sans Ozu, bien sûr. Non. Le cinéma italien, qui était quand même le deuxième, pratiquement après le cinéma américain. Et puis le cinéma français, c'était d'autant plus émouvant, je dirais, pour moi. C'est-à-dire que j'arrivais, je sortais de l'adolescence au moment où émergeait la nouvelle vague. En fait, combien, parce qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens, mais combien on pouvait se battre, voire se brouiller avec ses meilleurs amis, plaquer une fille parce que ses goûts étaient totalement différents, et un metteur en scène, un type que j'aime bien, qui a pas fait de grande œuvre, mais qui est très malin, notamment sur le jeu des acteurs, c'est Luc Moulet. Oui. Et Luc Moulet a fait un film merveilleux qui s'appelle Les Sièges de l'Alcazar. Et dans Les Sièges de l'Alcazar, c'est une véritable bagarre entre les partisans de Mario Bava et ceux de Cotta Favi. Et c'est toute l'ambiance cinéphilique des années 60-70 qui est restituée dans ce film. C'était la querelle des anciens et des modernes, aussi violent que la querelle des anciens et des modernes. Ah, mais bien sûr. Ou que la querelle sur le cubisme. Oui. On prenait au sérieux l'art encore parce que c'était essentiel. Moi, j'ai vu un critique de cinéma dont le nom m'échappe maintenant, qui était assis à la terrasse d'un café aux Champs-Élysées, discutant avec un cinéphile complètement cinéphilisé. Et tu dis, écoute, je crois qu'on n'a plus rien à se dire, puisque tu penses que Visconti est un grand metteur en scène alors que ce n'est qu'un décorateur,
ne me téléphone plus, c'est terminé. On n'en parle plus. On arrête là. Oui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Et ça, c'était formidable. Je veux savoir ce que vous pensez du film qui a été fait là sur Godard. Est-ce que pour d'ailleurs, vous... Roland Jacquard a... Mais oui, non, mais... d'ailleurs a consacré une de ses vidéos au film d'Azanavicius sur Godard, qui a beaucoup déplu à notre ami Michel Marmin, qui est un godardien fanatique, on peut le dire, et fidèle. Alors tiens, on fait, allons-y, Godard. Oui. Vous êtes suisse, vous partagez mais avec Baudouin, lui. Nous sommes deux. Mais je sais que sur Godard, vous avez, un avis partagé entre sans doute une fidélité pour certains films, mais en même temps une déception. Non, Godard, qui est un voyou vaudois dès le départ, il a piqué de l'argent, nous le savons, à la télévision suisse-allemande, c'est pas un type très honnête, mais c'est un génie du cinéma. Ah, voilà. Voilà, ça c'est évident, premier point, donc je suis godardien et je le défends. Cela dit, je pense que Godard, au départ, il est exceptionnel. Et que, à partir de 68, 69, c'est le même cas pour Deleuze, par exemple, il commence à vouloir faire de la politique, il commence à vouloir faire de l'expérimentation plus qu'il n'en faisait au départ, et il perd, sans doute à la suite d'un accident de moto qui l'a rendu impuissant. J'ignorais. Oui, eh bien, le côté sexy disparaît. Et en fait, ce qui reste de Godard ensuite, c'est le peintre. C'est un grand peintre, il a un sens des couleurs, les images. Et de l'image qui est exceptionnel. Mais ce que j'aimais chez Godard, c'était et puis il est devenu un peu conventionnel, il est devenu pro-palestinien, il est devenu au départ par exemple Petit Soldat, etc. Buach, qui lui était un vrai stalinien, démolissait Godard en disant c'est un fasciste. Tous ses premiers films est un film politiquement très ambigu, très ambigu à la gloire de l'Algérie française en fait. Donc en partie en même en temps partie, non, enfin, oui, plus ambigu mais d'accord, mais le... Oui, c'est Brieux-La Rochelle. Et puis quels sont justement les premiers Godard que vous avez appréciés? Ah, moi j'ai adoré, je dirais, À bout de souffle. Oui. Bien sûr, Pierre Souffle, Pierre Rolfou, voilà. Le mépris, Une femme est une femme. Voilà toute cette série, ça me va. Et puis ensuite... Alors, il y a deux ou trois choses que je sais d'elle, bien sûr. Je pense que il a décliné et il est et puis j'aime pas trop les metteurs en scène ou les artistes d'une manière générale qui se mettent à réfléchir sur leur art. Premier point. Et je pense que ça devient lourd. Moi, je préfère quand on y va. Mettons, un de mes metteurs en scène préférés, c'est Clint Eastwood. Ouais. On ne voit pas Clint Eastwood faire une histoire du cinéma. Autant se tirer une balle dans la tête. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Et je pense que le film dont on parlait, sur Godard, montre l'énergie de Godard ou la fin de... Une énergie. La fin. Oui, ouais, c'est... Non, mais le film est bien fait. Je trouve qu'il a bien perçu. Les rapports entre le cinéma et la politique sont fascinants. Les rapports avec la littérature, ça, c'est un peu... C'est troublant parce que, je dirais, pour moi, mais je parle trop. Mais au contraire. Il faut m'interrompre, vous êtes un bavard. Et c'est que, en fait, quand j'ai vu les films dont je parle à 18 ans, quand j'ai vu Louis Brooks, quand j'ai vu... j'avais l'impression, même la certitude, que la littérature, le roman, c'était bien, mais le cinéma, c'était tellement mieux.
Tellement plus intense. Tellement plus intense. Dans le fond, la littérature, c'était pour les vieux. C'était pour les gens un peu guindés. C'était, pourquoi pas. Mais, et puis le cinéma, c'était la liberté, c'était le sexe, c'était... Ouais. Ça allait de la comédie italienne, des films de Dino Risi, etc., aux films les plus protestants, je parle de la religion, qui est âpre et rigoureux, mais qui faisait les droits au cœur, comme le film Ordette de Dreyer. Quand on voyait ça, on avait envie de se précipiter dans la première petite chapelle protestante. Moi, j'ai relu quelques-uns de mes articles à l'époque où j'étais critique de cinéma, mais les vrais critiques, les bons critiques, effectivement, ce sont ceux qui savent transmettre leurs émotions. Et ce qui était paradoxal. Moi, je n'y arrivais pas. En fait, parce que j'étais trop pédagogue. C'est un peu le... On voulait expliquer qui était qui, à quelle époque il appartenait. Voilà. C'était ce qui est paradoxal, la pédagogie. Si vous parlez de la critique, c'est qu'à l'époque de l'ancien régime de la cinéphilie, je reprends ton terme, Alfred, c'est que, et Alfred nous disait, comme Michel Barbin d'ailleurs, qu'il y avait chez certains techniques une tentation, malgré l'intensité du cinéma oui. que vous venez d'évoquer, une tentation de rabattre le cinéma à la référence littéraire ou philosophique, comme si le cinéma ne se suffisait pas à lui-même, comme s'il avait besoin de références à Balzac, à Stendhal, à Thomas Mann, à Heidegger, pour certains, tu me racontais que dans les cahiers du cinéma ou dans Positif, il y avait une volonté d'employer un langage heideggerien pour parler du cinéma, alors que l'intensité du cinéma, elle se suffit elle-même. Mais bien sûr, elle se suffit. Et c'est là que j'ai connu Alfred, qui est venu à Lausanne avec... il est revenu avec Gabriel Matzneff, mais la première fois que je l'ai vu, c'était dans les locaux de 24 heures, à l'avenue de la gare 33. C'était la Feuille d'Avis de Lausanne. C'était un journal populaire lausannois, et il était venu présenter avec Michel Marmin, je crois, Présence du cinéma. Avant, il y avait des cahiers, Présence du cinéma, il y avait une sorte de... Effectivement, le cinéma, l'intensité, la fascination, la violence, ça se suffisait, et c'était pas nécessaire... Tout cela rendait la littérature, la philosophie caduque. J'ai jamais parlé de philosophie avec Sciorron, par exemple. Alors oui, ça c'est intéressant. Mais, question, peut-être pas piège, mais qui peut paraître aberrante. Est-ce que Sciorron était un cinéphile? Absolument pas. Oui. Oui. Moi je pense que... Pardon? Oui, il n'était pas du tout cinéma. Pas du tout. J'ai essayé de l'entraîner deux ou trois fois au cinéma... pour voir des films que j'aimais bien, des grands mélodrames américains d'un metteur en scène que j'adorais, enfin que j'aime toujours beaucoup, qui est Douglas Sirk. Et je voulais absolument qu'il voit dans sa vie un film de Douglas Sirk. J'ai réussi à faire beaucoup de choses avec Sciorron, mais jamais à l'entraîner au cinéma Action Christine ou au reprojeter des Douglas Sirk. Il a vu, je crois, un ou deux films avec Roger Caillois sur le monde animal, d'accord, sur les insectes. Puisqu'on parle de Sciorron, moi, il me revient un aphorisme de Sciorron où Sciorron dit à quoi sert-il de lire Platon quand un saxophone peut nous faire retrouver ou imaginer un autre monde. Donc oui, je le cite de mémoire. Et alors moi, cette citation de Sciorron m'a interpellé, comme on dit aujourd'hui, puisque Sciorron parle d'un saxophone. Oui. Et on sait les liens entre le jazz et le cinéma. Oui. C'est-à-dire que Sciorron, peut-être, était un homme qui écoutait du Lester Young ou un amateur de Johnny Griffin ou de Coltrane, non? Absolument pas. Ça ne m'étonne pas non plus. Et pourquoi parle-t-il du saxophone? Parce que ça sonnait bien, je pense. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Une question de sonorité. Ouais. Mais non, il écoutait Amalia Rodriguez. Ouais. Oui, tu connais. Mm-hmm. Les deux choses qui manquent chez Sciorron, mais ça n'a plus rien à voir avec le cinéma. Enfin, si, c'est... Il n'y a pas de cinéma. On ne parle jamais de cinéma. Et... Il parle très très peu de sexe. Mmh.
Voilà. Et donc, le, ma modeste contribution à la philosophie de Cioran, sa manière d'être et de penser, c'est que j'en parle beaucoup et peut-être beaucoup trop. Vous êtes un grand nihiliste, Roland Jacquard. Oui, enfin, même enfin, si c'est une posture. Même oui. C'est une posture, mais le terme oui. Nihiliste, d'ailleurs, est un terme... Qui veut plus rien qui dire. Qui veut plus rien dire, puisque oui. C'est à la fois Stavrogin et les terroristes, bien en sûr. Même temps, oui, une oui, sorte non, de distance. Ça... Bon, oui, voilà. Oui. Nihiliste mais, frivole. Voilà, un nihiliste frivole. Est-ce qu'il y a pour vous des cinéastes qui, dans lesquels vous vous reconnaissez, mais du point de vue de la vision du monde? C'est-à-dire la vision du monde qu'ils ont, leur distance, leur rapport... au monde, vous vous dites là, tiens, je me reconnais dans tel acteur ou dans tel cinéaste. Ah, mais nihiliste total, schopenhauerienne, c'est Louise Brooks. Oui. Pardon. Là, quand elle est sur à Berlin, sur le plateau, Pabstourn, Loulou, qu'est-ce qu'elle lit? Et on vient, puisqu'elle est toujours avec un livre, elle lit Proust et elle lit Schopenhauer. Donc, et toute sa vie, c'est quand elle quitte Hollywood, dans le fond, elle en a marre, elle déteste, elle dit « moi je suis à Hollywood comme dans un grand hôtel, et puis c'est la nuit, je cherche ma chambre et je ne la trouve pas, c'est un cauchemar ». Pour elle, c'était un cauchemar, faire du cinéma, c'était un truc de pute ou de folle ou de dingo, et dans le fond, ce qu'elle aimait, c'était la littérature, la peinture, l'alcool aussi. La religion. La religion, ça n'a pas duré longtemps parce qu'elle s'est convertie au catholicisme et 2 mois plus tard, elle a dit cette phrase extraordinaire, no good for me. Ah. Hein, voilà. Donc elle a peint des saintes. Oui, 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 elle a peint. Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, 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 oui. Alors je suis très content d'avoir effectivement publié la biographie de Barry Paris sur Louise Brooks, et c'est un livre de 600 pages, et là on voit la profondeur de l'esprit de Louise Brooks, c'est vraiment exceptionnel. Je suis content d'avoir publié chez Hachette, quand j'y travaillais, l'autobiographie de Jean Turner. Mademoiselle, voudriez-vous faire du cinéma? C'est ce que Anatole Litvak lui avait demandé quand elle était arrivée à Hollywood avec les parents pour visiter les studios. Et puis, le livre d'un acteur extraordinaire, qui est Georges Sanders. Nous allons en parler, d'ailleurs. Mémoire d'une fripouille. D'ailleurs, on parlait de nihilisme. Georges Sanders. Alors, Georges Sanders. C'est une incarnation de ce nihilisme. Absolument. Georges Sanders, lui, qui se suicide à Barcelone en disant, ce monde ne m'intéresse pas, ne m'a jamais vraiment intéressé, et je suis heureux de le quitter. Mais c'est. Alors, et d'ailleurs, pour. Le livre de Sanders, c'est un. D'ailleurs, son personnage dans tous les films, c'est une incarnation du cynisme et du nihilisme. Parce qu'on a l'impression, quand on voit Sanders dans tous les films, que ce soit dans le film de Lang, La cinquième victime, que ce soit dans Ambre, que ce soit dans le film de Fritz Lang merveilleux, Manhunt, oui. Etc., il y a toujours une distance. On a l'impression qu'il se moque du monde en permanence, Georges Sanders. Et il a bien raison. Il a bien raison. J'ai connu Chabrol à cette époque. Je vais déjeuner chez Claude Chabrol. J'ai très bien, il était encore avec Stéphane Audran. Quand on sort. Dans quelles années, ça? Pardon? 70, années 60. Ben, c'est 60. Années 60, c'était, oui, parce que j'avais travaillé avec Renoir sur le caporal épinglé à Vienne. J'avais vraiment sympathisé avec Chabrol. Et donc, en sortant, il me dit, viens dans mon bureau, et il ouvre un tiroir, et dans ce tiroir, il y avait des centaines de photos de filles jeunes, à poil, et avec leur numéro de téléphone, etc. Et il me dit, tu vois, tout le cinéma
ça les rend folles, elles veulent toutes tourner. Et puis, évidemment, ben, j'ai dit, mais il me dit, écoute, prends quelques, si elles te plaisent, tu en prends quelques-unes, et tu les convoques. Et donc, ça me fait penser à ce que me disait Louise Brooks. Elle me disait, dans le fond, les filles qui veulent faire du cinéma, d'après ce que j'ai pu observer, c'est elle qui parle, ce sont soit des putes, soit des folles. Et le plus souvent, les deux. Donc, effectivement, quand on voit Asia Argento, qui est une fort jolie femme, se plaindre d'avoir été violée par Weinstein... À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Mais en même temps être restée pendant 5 ans sa maîtresse quand il venait en Italie, on se dit qu'il y a un truc... Mais Weinstein, c'est très intéressant pour une autre raison, quand on parlait de la guerre des images et de l'imaginaire, c'est que Weinstein, c'est effectivement la fin d'une époque. On va parler de Weinstein dans cette guerre qu'il y a entre le monde occidental et le monde islamique. C'est-à-dire que Ramadan, c'est une des personnalités les plus importantes, 100 personnalités les plus importantes du monde, selon le Times. Et Weinstein, tous les pouvoirs à Hollywood, et tous les deux s'écroulent au même moment. À peu près de la même manière. Ça a une signification. On va pas faire de... Mais je trouve fascinant que ces deux personnages, avec chaque fois quand même des soupçons de pédophilie, en ce qui concerne en tout cas Ramadan, et de viol, certainement, et en fait, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de concurrence entre les deux. C'est-à-dire que lequel va l'emporter dans le mal. Alors je dis dans le mal, pour moi, tout mal entraîne un bien, tout bien entraîne un mal. Un de mes films préférés, c'est La soif du mal d'Orson Welles. Donc je vais pas jouer les moralisateurs et dire l'un est bien, l'autre est pas bien, etc. Non, mais je constate que deux symboles, un des plus grands symboles d'Hollywood et un des plus grands symboles de l'islam, tous les deux s'effondrent. Et ils s'effondrent du fait, et là... J'ai un peu honte de dire ce que je vais dire, et d'ailleurs je ne vais pas le dire, mais du féminisme. Car le cinéma était une affaire d'hommes. Et le féminisme est très cinéphobe. La prise de pouvoir, la prise de pouvoir par les femmes du cinéma, et notamment du cinéma français, a conduit le cinéma français à sa perte. Et justement, les femmes françaises. Et ça, je trouve que ça serait très intéressant. Le féminisme français a été totalement investi. Moi, je l'ai vécu à ce moment-là par les américaines et en particulier lesbiennes. Oui, ça a commencé par là. Ah, n'est-ce pas? Or, ça a complètement déformé la façon dont les féministes françaises abordaient le rapport aux femmes. C'est vrai ou non? Tout à fait. Et je trouve que personne ne le dit. On revient au protestantisme. Et le résultat est catastrophique. Parce que je n'ai aucune sympathie pour Ramadan, et encore moins pour l'islam, mais avoir Caroline Fourest contre soi, alors là, je ne le souhaite à personne. Voir Caroline Dehas. Voir Caroline Dehas, oui. Quand on voit, C'est catastrophique. C'est catastrophique pour les hommes et pour les femmes. Et pour, bien sûr. On arrive, j'ai dîné l'autre soir avec un producteur de cinéma américain qui disait, mais en France maintenant, est-ce que je peux encore me retourner quand je vois une jolie femme passer? Il était inquiet. Et un autre lui a dit, mais les regards appuyés peuvent être punis à 100, de 100 à 300 euros d'amende. Alors donc, même que le regard on est restons sur le cinéma, même si c'est lié, parce que le regard appuyé, c'est le cinéma. Non, oui, le regard appuyé. Et là, on quitte le domaine. Oui, on quitte le cinéma. Mais en même temps, je trouve que cette idéologie, en même temps, empêche justement le cinéma de se développer, parce que le cinéma, c'était aussi le lieu de l'ambiguïté, du trouble. Bien sûr. Vous parliez du cinéma comme un...
comme le genre, il est de mode aujourd'hui de parler du genre, vous disiez le cinéma est de sexe masculin. Pourquoi ? Il est né à une époque où tout était de sexe masculin, de toute manière. C'est pas une femme qui a inventé les radios, la radiologie, c'est pas une femme qui a inventé la psychanalyse, c'est pas des femmes qui ont inventé le cinéma. Dans le fond, l'idée qu'il y a une forme d'égalité entre l'homme et la femme et les mêmes capacités de création, elle est une idée tout à fait sympathique, que nous ne pouvons que défendre, mais avec un léger sourire. Un léger sourire que je vois sur la bouche de notre ami Alfred Eibel. Non, je pense que en voulant tout mettre au même niveau, on se trompe lourdement et ça conduit à une sorte de confusion totale. Disons-le, les grands metteurs en scène, à quelques exceptions près, sont des hommes. Ce sont souvent effectivement maintenant des femmes qui produisent ou qui font des films, donc le rapport est totalement différent. Et surtout, j'aimerais connaître s'il y a encore un acteur à Hollywood qui ne soit pas homosexuel. On les fait venir d'Australie en général. On est dans une autre dimension. Ça n'est plus. Alors évidemment, les gens qui ont maintenant 15-16 ans, ça leur paraît normal. Dans le fond, le monde dans lequel on entre, c'est votre monde. Et le monde dans lequel, aujourd'hui, entre les jeunes, c'est un monde qui n'a plus grand-chose à voir. Et d'ailleurs, la grande époque du cinéma était peut-être le dernier moment où la civilisation occidentale, européenne, occidentale, a affirmé des manières d'être femmes et hommes aussi claires, aussi essentielles. C'est-à-dire dans le grand cinéma américain, dans le grand cinéma allemand, les femmes sont des femmes. Quand on voit Lauren Bacall avec Humphrey Bogart, évidemment, on a un modèle pour l'éternité. Quand on voit Louise Brooks mener une vie sexuelle un peu glauque, et en même temps fascinante, parce qu'il y a tellement d'érotisme en elle, et tellement d'expressivité, et tellement d'intelligence, on est fasciné, mais on voit, effectivement, on ne voit pas beaucoup de... aujourd'hui, je ne vois pas, je ne vois pas au cinéma, ou dans le cinéma français, qui a ce... C'est quelque chose qui s'est perdu, sans doute. Mais quand on dit ça, on passe pour des vieux cons. Donc, en principe, on ne le dira pas. On dira que tout est merveilleux aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'amalgame, qu'il faut que les gens vivent, que c'est très bien d'être gay, c'est très bien d'être transgenre, c'est très bien d'être un peu musulman, sans trop l'être, etc. On a beaucoup de respect pour le Coran, on a beaucoup de respect pour la Bible, on a beaucoup de respect, on n'a plus de respect du tout pour Playboy, en revanche. On est devenus des gens bien, finalement. On parlait notamment de Sous la Yonne, l'adolescence au cinéma, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque mon adolescence, oui, tout simplement, ça m'évoque une période, pour rester dans le domaine du cinéma, où effectivement, des filles lisaient aussi Les Cahiers du cinéma, Présence du cinéma. Il y avait un petit livre qui était très très bien de Chabrol et Romer sur Hitchcock. Mm-hmm. Le transfert de culpabilité chez Hitchcock, c'était génial. Les films de Romer, etc. Et on pouvait en parler. Et ça m'évoque aussi quelque chose qui a sans doute un peu disparu aussi, c'est-à-dire les ciné-clubs. Les ciné-clubs, parce que on était, enfin, en tout cas moi, mais je pense que l'époque était, années 60, progressiste, c'est-à-dire qu'on pensait
qu'il y avait une éducation à faire, bienveillante bien entendu, du peuple, pour que le cinéma soit non seulement connu, mais qu'il soit de plus en plus apprécié et de meilleure qualité. C'est le contraire qui s'est produit, donc ok. Et il y avait aussi, alors bon, un truc qu'on vivait à Lausanne, je ne sais pas si ça existait à Paris, Alfred pourrait répondre, c'est-à-dire que dans tous les cinémas lausannois, arrivait au milieu du film l'entracte. Ah bah oui. Et l'entracte était, à ce moment-là, on pouvait sortir, on se levait, on allait boire un café ou manger une glace, et on pouvait draguer. Mmh. Ce qui était extraordinaire parce que on pouvait très facilement, dans la salle d'entrée, poser, il y avait une fille seule, lui dire, mais t'as aimé le début, pourquoi est-ce que tu as été voir ce film, etc. Ce qui a permis ce regard désirant de ces réalisateurs hommes sur les actrices, sur les femmes, dans le cinéma, les femmes apparaissent souvent comme des sortes de déesses grecques, ou romaines, ou celtes, avec, en général, une sorte de corps glorieux, quasiment. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez parler, justement, de ce corps glorieux des femmes au cinéma, et du fait que les actrices, la divinisation des actrices... J'en parlerai d'autant mieux que la femme idéale, la poupée intérieure, dirait Proust, était pour moi Louise Brooks, et quand je l'ai vue pour la première fois, c'était aussi celle de Freddy Buache, quand je l'ai vue pour la première fois dans Loulou, ça a été un choc émotionnel, un véritable cataclysme intérieur. Quand j'ai vu Manina, fille sans voile, avec Brigitte Bardot, j'avais 16 ou 17 ans, c'était aussi une révélation, car nous avions le corps le plus parfait, et en même temps, ce qu'on a pu constater par la suite, une intelligence, mais une intelligence féminine, hors du commun. C'était le cas de Louise Brooks aussi. Les grandes actrices des années 50 ne sont pas des nymphettes, c'est plutôt des femmes généreuses en quelque sorte. Certaines, oui, alors il y en a qui étaient même à mon goût un peu trop généreuses, par exemple Gina Lollobrigida. Vous le dites d'ailleurs. Ou Sophia Loren. Des déesses qualifiées. Moi, la seule que j'ai vraiment appréciée, que j'ai connue d'ailleurs, c'est Stefania Sandrelli. Elle qui correspond tout à fait à mes goûts physiques. Si on prend le cinéma italien, un metteur en scène comme Alberto Lattuana a tourné avec des actrices qui étaient, à mon goût, les plus jolies du monde, notamment Catherine Spaak, notamment une fille que j'ai connue à la piscine de Ligny, qui était Nastasia Kinski. Voilà. Vous connue à Nastasia Kinski. Alors, évidemment, entre Gina Lollobrigida et Nastasia Kinski, mon cœur ne balance pas. Mais mettons que il y a une femme, oui, que je trouvais extraordinairement belle. Alors ces femmes ont souvent des destins tragiques. Aimez le tragique en plus. J'aime c'est piquant, en fait, pour vous, c'est une sorte de oui, poire, d'épice. J'aime bien que tout se termine dans une forme de chaos et d'apocalypse et d'extermination générale. C'est mon côté suranesque. Mais je pense à Jean Tourney. Oui, Jean Tourney, qui finit une femme, une autre, destin extraordinaire qui a été mal exploité au cinéma d'ailleurs. C'est Frances Farmer qui finit à l'hôpital psychiatrique, vendue par les psychiatres à des marins pour se faire vieux. Voilà. Enfin, il y a des histoires, sordides. Et une fille que j'ai beaucoup aimée. Ça m'avait fait pleurer ce film. C'était Natalie Wood. Natalie Wood dans rappelez-moi le film de Cazan. Est-ce que c'est pas le film avec Jacques Palance? Non, c'est pas avec Jacques Palance. D'ailleurs, Jacques Palance que j'ai un peu connu à Lausanne puisqu'il vivait à la fin de sa vie à Lausanne. Dès que vous avez connu un Jacques Palance. Il vivait. Oui, parce que en fait beaucoup d'acteurs américains
Ça se mêlait Audrey Hepburn, non, mais sur la entre Lausanne et Montreux, il y avait Audrey Hepburn, il y avait Jack Palance, enfin oui, on en rencontrait. Il y avait Chaplin. Bon, enfin Natalie Wood, je dis oui. J'aime beaucoup Sue Lyon comme Lolita. À cause de Lolita. Que pensez-vous d'ailleurs? Que pensez-vous de l'adaptation de Lolita? Est-ce que vous n'êtes pas déçu malgré tout par la Soulaya de 18 ans, qui n'est pas très fidèle au fond du roman de Nabokov? Ça ne pouvait pas l'être. Bien sûr. Ça ne pouvait pas l'être. Je trouve que Kubrick s'en est très bien tiré, contrairement à Matzneff, qui préfère la deuxième version. Mais non, c'est un grand film, quand même. Mais... Avec en plus le rôle merveilleux tenu par comment s'appelle-t-il, par James Mason, qui est un immense acteur. Un acteur que j'ai connu un peu parce que j'étais très amoureux, et pour une fois c'était réciproque, de sa fille, c'est Lino Ventura. Parce que Lino Ventura louait un chalet pendant l'été à Verbier, donc station de sport d'hiver assez chic. En Suisse, il avait une fille qui s'appelait Mylène, que j'avais connue à la piscine de Verbier. Il m'a souvent invité à dîner chez lui. Vous êtes très très bien dit, mais ce dont je me suis rendu compte. Il y a la cuisine. Les pâtes. Oui. Vous évoquiez votre rencontre avec Lino Ventura et votre fréquentation de Lino Ventura à travers, évidemment, ce qui ne saurait nous étonner pour Roland Jacquard, sa fille. Sa fille, oui, Mylène. Parlez-nous de Lino Ventura. Je peux parler de la fille parce que le destin de la fille était tragique quand même, parce que je l'ai connue pendant une année, et elle a épousé ensuite un grand restaurateur français, elle devait avoir 22 ans, et elle est partie en voyage de noces en avion, dans un jet privé, et l'avion s'est écrasé. Donc, Lino Ventura, non mais ce qui m'a frappé, outre sa présence physique et sa manière de bouger dans l'espace, sa force intérieure, je dirais, parce que c'est important pour un acteur d'avoir vraiment quelque chose dans les couilles, si j'ose dire. Et lui, il l'avait. Bon, mais c'est en même temps, parce que je m'intéressais à l'époque pas mal aux dessins animés, aux films d'animation, et parler un peu de Woody Woodpecker, de l'esthétique un peu ronde, rondouillarde et conne de Walt Disney, par rapport à celle de Tex Avery, etc. Bon, et je lui ai parlé d'un metteur en scène que vous devez peut-être connaître, mais que personne ne connaissait, qui était Norman McLaren. Qui est canadien, je crois, non? Qui est un Canadien, et il a tout de suite rebondi sur Norman McLaren. Ce qui est étonnant pour Lino Ventura. Ce qui est étonnant parce que là, c'était... parce que Norman McLaren... C'est l'homme d'underground. C'est plus que l'underground. C'est l'homme qui, dans le fond, ne filmait même pas. Il faisait des graffitis sur la pellicule. Donc, c'était très spécial. Je m'attendais à ce qu'ils disent. C'est un scoop ce que vous faites là, parce que Lino Ventura, qui est un monument, un dinosaure du cinéma populaire français. Ouais. Tout d'un coup, Lino Ventura et Norman McLaren, c'est assez ahurissant. Norman McLaren, c'est de bord à côté, c'est quasiment Christian Clavier. Norman McLaren est vraiment le cinéaste le plus avant-gardiste depuis les expériences russes des années 20. Il n'y en a pas eu d'autres. Et le fait que Lino Ventura puisse rebondir là-dessus, ce qu'il en pense, etc. J'étais bluffé. Parce que quand on a 20 ans, on est un peu prétentieux. On pense toujours que il va tomber dans le piège, il connaîtra pas, etc. On va se montrer supérieur, au moins sur ce plan. Ah bien non. Et les rapports que vous aviez avec Lino Ventura, est-ce que vous
Vous c'est parliez plutôt avec sa fille. Avec sa fille, évidemment. Mais, vous parliez avec lui aussi de littérature, de philosophie, quel rapport au monde il avait. On parlait de cinéma, oui. Mmh. Non, mais je me vois mal à un dîner parler de philosophie. Oui, non, mais c'est très bien. Pas seulement avec Lino Ventura, ça deviendrait des repas. On peut parler de philosophie de manière légère, parfois. Oui, on peut pas. Oui, mais ça devient vite lourd. Toutes ces choses un peu dégoûtantes que nous aimions dans les années 50 ou 60, Dieu merci, elles ont disparu. Alors parlez-nous de ces choses dégoûtantes que vous aimiez dans le cinéma, le grand cinéma des années 50 et 60. La pédophilie, par exemple, oui. J'adorais, comme tout le monde, les photos de David Hamilton. Même les jeunes filles en avaient chez eux, sur leur cartable, etc. Je trouve que c'est un grand photographe. Exercice de provocation, car je savais que cela vous plairait. Et donc... Non, mais c'est vrai. Préciser les choses. On veut pas être censuré. Je précise et je vais préciser, mais alors, en plus je l'ai rarement fait, j'ai été violé quand j'avais 12 ans par une jeune Allemande qui en avait 20. Eh bien, c'était plutôt pour moi, elle est entrée dans ma chambre, j'étais dans une pension de famille, elle est entrée dans ma chambre, elle s'est livrée sur ma personne qui ne devait pas être déplaisante, je suppose, c'est pas à moi d'en juger, à des actes que la morale... Bon, j'en ai plutôt éprouvé un sentiment de fierté. Il ne me serait pas venu à l'idée d'aller le lendemain déposer une plainte courante à la police. Et en outre, en revanche, et ça c'est alors tout à fait du style film américain, c'est-à-dire que c'est juste une blonde allemande... Je me suis attaché à elle. Et quelques jours plus tard, son fiancé, plus âgé, est arrivé. Et elle a faim totalement de m'ignorer. Et donc, la blessure, elle n'était pas dans le fait d'avoir donné, offert mon corps à cette jeune fille, mais d'avoir été trahi. Et donc là, oui, j'ai éprouvé une sorte de méfiance ensuite instinctive par rapport à ce dont les femmes... Et ça, c'est très hollywoodien. Ensuite, je me suis trouvé dans un collège catholique à l'abbaye royale de Saint-Maurice, dans le Valais, où les pratiques pédophiliques de la part des moines... était courante et ne choquait absolument personne. D'ailleurs, et puis on est passé maintenant à une période où la moindre évocation... Ben, il faut bien quand même apprendre les choses du sexe quand on a 12, 15 ans, 17 ans, etc. Alors que ça se fasse dans une pension de famille ou que ça se fasse... dans une abbaye royale, quelle importance, j'entends, c'est pas, et c'est devenu une véritable obsession aujourd'hui. Avec des confusions. Avec des confusions entre le garçon de 12 ans et la petite fille de 4 ans, c'est pas la même chose. Il y a eu dans un quotidien, enfin un hebdomadaire suisse-allemand qui s'appelle Die Weltwoche, une enquête sur les effets néfastes des relations sexuelles très jeunes. Et en fait, la plupart des psychiatres qui ont eu des patients ont jugé qu'au contraire, cela donnait une sexualité plus vive et plus épanouie. Donc, moi j'en sais rien, je veux pas prendre parti, mais simplement, je dirais que je n'aime pas les tabous et je n'aime pas l'abus de pouvoir, l'abus de pouvoir... Je le réprime. Et je pense que les professeurs qui draguent leurs élèves, après, quand ils ne sont plus leurs élèves, c'est plus un problème. Mais toute forme d'abus de pouvoir me gêne. Et je pense, en outre, et ça je l'ai vu en France, je l'ai jamais, même au monde, le fait que des stagiaires, filles, soit considéré comme qui est une sorte de droit de cuissage de la part des rédacteurs, et le tout n'étant jamais divulgué,
ça reste quelque chose de dans l'omerta, dans le secret du journal, etc. Donc il y a une forme d'hypocrisie. Oui. Voilà, donc et je pense que l'affaire de David Hamilton, elle est d'une certaine manière très gênante, parce que on a fait un film. Et c'est des femmes qui portent plainte 20 ou 30 ans après. C'est lamentable. Et ensuite, qui en tirent profit, qui font un film sur une personne qui n'a jamais été condamnée. Ça me semble... Avec adolescentes, en plus. Pardon? Avec des adolescentes, encore une fois, c'est pas des petits-enfants. Des adolescentes. Et un homme, David Hamilton, le nom, parce qu'on l'a interviewé dans un journal auquel j'ai collaboré, le journal de Pajac, qui était l'imbécile de Paris. Et il y a eu d'innombrables témoignages de femmes, de mères, de femmes, parce qu'il y a le problème des mères aussi, qui veulent vendre leurs filles, qui arrivaient avec leurs filles et qui suppliaient David Hamilton de les photographier. Et David Hamilton disait « Non, je ne veux pas, j'ai un type de fille, etc. » on peut contester l'esthétique. Vaporeuse, charmante, délicieuse, ou peut-être kitsch. Moi, j'aime assez le kitsch, donc ça ne me gêne pas. Mais à partir de là, de mettre au pilori un homme et de le pousser au suicide. Alors, on revient un peu sur le cinéma. On revient sur le cinéma et sur l'art malgré tout, parce que vous avez dit quelque chose au début, notamment sur le fait qu'il y ait beaucoup aujourd'hui de cinéastes femmes, voire féministes, parce que faut différencier les deux. Et au fond, le grand ennemi aujourd'hui de l'art, cette espèce de néo-puritanisme épurateur, qui n'est pas que féministe d'ailleurs, qui est antiraciste, antisexiste, anti-tout d'ailleurs, inclusif, où il faudrait tout d'un coup... Alors, j'en parle parce que j'ai lu récemment un article sur le fait qu'aujourd'hui aux États-Unis, notamment pour la littérature adolescente, les manuscrits sont revus par un jury comportant des membres de chaque minorité. Donc, on relit les manuscrits, il y a un noir, un coréen américain, un homosexuel, un juif, un afro-américain, et toutes les minorités les plus inimaginables. Et c'est la fin de la littérature, c'est la fin de ce qu'est le lieu encore de l'art, c'est-à-dire le lieu de l'ambiguïté, des mauvais sentiments, des dérapages, comme ils disent. Et alors c'est intéressant, parce que est-ce que le cinéma, comme d'ailleurs la littérature, ne va pas mourir de, je pose une question d'ailleurs banale, va pas mourir de cette nouvelle idéologie purificatrice? Je crois que la réponse est dans la question. Évidemment, mais quand on songe, je sais pas, pour un truc français, qu'une femme, en l'occurrence Annie Ernaux, a réussi avec 40 des plus grands écrivains français qui publient chez Gallimard, dont Dontard, Benjelloun, Leclésio et d'autres, etc., a réussi à évincer blacklister, à humilier et à chasser finalement de Gallimard un grand écrivain, Richard Millet, un grand écrivain et grand éditeur. Citons-le, c'est Richard Millet. Et c'est quand même extraordinaire dans la mesure où le dernier livre de Richard Millet publié aux éditions Léo Cher, on revient à Lolita, c'est la nouvelle Dolores, donc la nouvelle Lolita. Le cinéma français, bon, on a un peu parlé de Lino Ventura, de Robert Lamoureux, d'un certain cinéma populaire. Est-ce que vous avez ensuite suivi aussi, je pense notamment à des auteurs comme, au hasard, Jean-Pierre Melville, Pascal Thomas, des gens comme ça? Alors c'est très différent. Ah non, mais j'aime beaucoup. Mais le cinéma français des années 70, 60-70, en dehors de la nouvelle vague. Parce que c'est des gens qui sont, comme Jean-Pierre Melville et comme Pascal Thomas, qui participent un peu à l'esprit de la nouvelle vague, Jean-Pierre Melville, mais qui n'en sont pas. Un peu,
C'est un peu avant. C'est un peu avant et dans une perspective très différente quand même. Non, j'aime beaucoup Pascal Thomas. Je suis très content qu'on ressorte ses premiers films. Et je pense que c'est même un type de cinéma qui, à l'époque, était méprisé et qui, en fait, s'est bonifié avec l'âge. Parce que c'était considéré comme du cinéma quasiment populaire, mais au sens péjoratif du terme. Oui, alors ça, c'est... Populaire, c'est... voire populiste, d'ailleurs. Oui, alors, non, parce que j'étais rédacteur en chef adjoint d'un quotidien socialiste qui s'appelait, à Lausanne, Le Peuple. Mais socialiste à la Suisse, c'est-à-dire plutôt social-démocrate, quoi. Bon, maintenant, on dit populaire. Et puis, ensuite, on dit populiste. Mais moi, je me revendique comme populiste, oui, bien sûr. La culture populaire, c'est pas rien. En fait, ce qui m'a toujours beaucoup, j'ai travaillé au Monde aussi pendant 35 ans, ou au PUF, c'est toujours le côté élitiste. Le côté, élitiste et guindé. Moi j'aime tes, voilà. Et on pourrait raconter d'ailleurs à ce propos une anecdote que j'ai lue dans vos chroniques. Que quand vous travailliez au Monde, il y avait, je crois, un magasinier ou quelqu'un qui apportait les journaux. Oui, c'est ça. Et oui. Avec qui vous jouiez au ping-pong. Oui. Et des gens du Monde, donc des gens de la gauche progressiste, oui, se sont choqués du fait que vous jouiez au ping-pong avec cet homme. Enfin, ça paraît ahurissant. Oui, c'était un. Moi, je venais d'un pays, malgré tout, où la démocratie. C'est la vie quotidienne, la Suisse, c'est pas un habit du dimanche comme en France, hein. Donc ça me semblait normal d'avoir des rapports sympathiques avec tout le monde, quoi. Enfin, c'est, et il y avait un garçon d'étage, on appelait ça un garçon d'étage. Ouais. On appelait ça un garçon d'étage, il s'appelait Germinal, qui était anarchiste, qui avait mon âge, et qui était très drôle, avec qui j'allais jouer au ping-pong et au baby-foot. Et donc, mais ça me semblait, mais il y avait pas de problème, c'était normal. Et un jour, j'ai été convoqué par un rédacteur en chef qui m'a dit, mais on vous voit souvent avec Germinal, journal de gauche quand même, hein. Et ça m'a frappé. C'est en France le côté hiérarchique, élitaire, anciennement aristocratique. Dans le fond, on ne se commet pas avec le petit peuple. Mmh. Et en fait, il m'a dit, mais il faudrait que vous preniez un peu vos distances avec ce garçon d'étage. Et j'ajoute que Germinal s'est suicidé deux ou trois ans plus tard. Ouais. Alors, les raisons d'un suicide, on ne les connaît pas. C'est très impressionnant pour quelqu'un qui... Ça, c'est intéressant de voir votre regard de petit vaudois sur cette France, non pas aristocratique, parce que l'aristocratie aussi avait des liens avec le peuple. Oui. Plus que davantage que cette espèce de grande bourgeoisie. Mais puisqu'on parlait de suicidé, il y a un autre suicidé sur lequel j'aimerais vous poser une question, c'est Jean Eustache. Oui. Est-ce que cette œuvre vous a intéressé à un moment donné, La Maman et la Putain, Le Père Noël à la Vieux Bleu? Le Trou? Non, Le Trou, c'est... Non, Le Trou, c'est Becker, mais oui. Dans l'autre, oui, film. Une sale histoire. Une sale histoire. J'ai trouvé que c'était un peu théâtral et un peu ennuyeux. D'accord. J'imaginais, en tout cas. Parce que quand on a posé la question à Michel Marmin et à Alfred Ebel, je sais que c'est deux films qui vous ont énormément marqué. Bah, il faut dire une chose. Et qu'en plus, à mon avis, dans La Maman et la Putain, il y a un esprit. Ouais. Mais qu'on pourrait trouver aussi sur Roland Jacquard. L'époque où on a vu le film avec Martinet, moi je m'en souviens très bien, on est sortis, on pleurait. Est-ce que tu pleures beaucoup au cinéma? Ah non. Non, moi, je ne pleure très pas. Bon public, non. Alors, attends, parce qu'il y a une différence entre pleurer et avoir les larmes aux yeux. Alors moi je considérais ça toujours comme une faiblesse, comme disait, mais bien entendu vous êtes viennois d'origine, vous arrêtez pas de pleurnicher, etc. Mais il y a une véritable fontaine, Alfred. Non, ça c'est toi qui as dit ça. Et vous, Roland Jacquard, est-ce que vous pleurez au cinéma? Mais moi je pleure, mais même à la télévision, mais beaucoup plus que dans la vie réelle. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous pleurez après un chagrin d'amour? Parce que non, jamais.
je crois que tu pleures sur l'Europe en ce moment, non? Bah, c'est pas que je pleure sur l'Europe, c'est que moi je suis un mélange de trucs qui ne donnent aucun résultat. Je suis né à Vienne, ensuite on est parti en Tchécoslovaquie, ma mère s'est remariée avec un juif, de Tchécoslovaquie on a fui pour aller en Belgique puisque mon père était consul, enfin il avait un titre comme ça. J'ai été éduqué dans un des collèges les plus huppés de Belgique qui s'appelait Braine-l'Alleud, catholique, etc. Ensuite, en Suisse, j'ai fait des études, j'étais dans un institut huppé qui était protestant, et j'ai changé de nationalité 6 fois. Pour moi, le fait que l'écroulement de l'Empire austro-hongrois oui, est pour moi le commencement de quelque chose. Pour la Suisse, maintenant, j'ai une nostalgie de la Suisse que j'avais pas avant. Je sais pas pourquoi. Tout à coup, j'ai dit, j'aimerais bien revoir Gustav Roux que j'avais vu à l'époque. Oui. Mais tout à coup, ça me prend. Qui était homosexuel, comme ça. Qui était homosexuel, oui. Et tu lui plaisais. Ah bah ça je crois pas que ce soit comme ça. Ça c'est toi qui dis ça. On va passer, je pense, maintenant à, oui. au moment que nous aimons tous, oui, qui est le moment. Cher Alfred, cher Jacqueline, on va passer au moment des questions, des questions saugrenues. Oui, voilà. Des questions saugrenues, mais qui restent dans le thème cinéma. Cinéma. C'est-à-dire moi la première question au hasard, si Pierre Guillaume de Roux était un acteur hollywoodien. Si Pierre-Guillaume Deroux était un acteur hollywoodien, je pense qu'il trancherait avec ce qu'on voit aujourd'hui. Si. Et nous aimerions le voir à Hollywood. Oui. Ce sera... Dans un film, je le verrais bien, dans un film de Terence... Non, Terence Fisher était anglais, mais dans un film... oui, de Mankiewicz, par exemple. Ah, oui. Oui, je le verrai très bien, oui, et avec un côté très séducteur, et oui, quels étaient les acteurs français qui, il y avait Maurice Chevalier, Charles Boyer, non ? Charles Boyer, qui ouais. était... Je lui trouve un côté Gary Grant, Pierre-Guillaume, aussi. Il aurait pu jouer dans le North by Northwest. Oui, par exemple, oui, il a un côté, oui. Alors, je le verrais moins bien dans le film Le train sifflera 3 fois. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Qui est un grand film de Fred Zinnemann. Ni dans La Horde Sauvage. On voit pas Pierre-Guillaume dans la Horde Sauvage. Il faudrait le grimer beaucoup. Comme je dirais, comme Drachville, l'espèce humaine, j'en ai vraiment ras-le-bol. Il y a quand même une chose que Lang a dite et qui est quand même compréhensible. On lui reprochait de mettre toujours en scène des garces. Mmh. On disait oui, des filles, etc. Alors Lang disait, oui, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'une femme très gentille qui est mariée, dont le mari est très gentil aussi, qui ont 3 enfants, qui ont une vie très agréable, elle est charmante, elle est jolie, elle aime beaucoup son mari, mais son mari l'aime aussi beaucoup. Et tous les deux adorent leurs enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ces gens-là? Ben, le monde, c'est ça. Si vous deviez partir sur une déserte, on va pas reprendre ce cliché, mais si, on le reprend quand même. Ou les films, peut-être les 3 films qui vous permettent aujourd'hui, que vous revoyez, parce que ça vous permet de rester vivant, de rester... De survivre. De survivre un peu. Et qui vous enchantent à chaque fois que vous les voyez. Je vais être bref. La soif du mal d'Orson Welles. Oui, ça j'ai oublié. Vertigo. Oui. Hitchcock. Et peut-être Vivre de Kurosawa. On pourrait continuer encore pendant des heures, mais tout a un terme. Oui, tout a un terme. Merci Roland Jacquard de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui me mettrai à genoux. Pour avoir eu, comment dire, le privilège de participer à cette émission. Vous me disiez, mais je vais peut-être dire les mêmes choses que Alfred et Michel, mais non. Vous voyez, vous avez apporté votre singularité, votre vision, c'est tout à fait vrai. Oui. Et votre nihilisme vivifiant. Roboratif. Roboratif.